Et salut tout le monde, c'est X-Rouge, aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Warhammer 40 000 Space Marine 2 sur PlayStation 5, édité et développé par Focus Entertainment et Saber Interactive, sortie officielle le 9 septembre 2024, et Peggy nous le déconseille, au moins de 18 ans. Early Access disponible, sortie en avance à partir du 5 septembre, 4 jours en avance si vous avez pris l'édition Gold, ou même l'édition qui coûte un peu plus cher, la Ultra. L'une étant à 90€, l'autre à 100€. Pas de note pour l'instant sur les sites communautaires de jeux vidéo. A savoir que si vous faites comme moi et que vous prenez l'édition qui vous permet de jouer en Early Access, le DLC Macrage's Chosen, les élus de Macrage, la planète fondatrice qui a vu naître les ultramarines, sera distribué avec le jeu. Bon, déjà première chose que l'on peut dire, c'est que le jeu est sacrément beau. Embarquez avec moi dans cette phase de tutoriel qui nous fera office de prologue, mais de ce que j'ai pu voir, c'est assez long et ça me semblera amplement suffisant pour vous faire une découverte. Il ne tiendra qu'à vous pour la suite de vous acquérir ou pas de ce jeu. Nous incarnons toujours le commandant Titus, commandant entre guillemets, car si vous avez fait le premier à l'époque des consoles de 7ème génération, vous savez qu'après les magouilles de l'inquisiteur Trax,
Titus a été déchu de son rang et pour se repentir est parti dans la Death Watch. Allez, ça y est, on voit du monde. Il est temps d'aller faire du sushi de tyrannide. D'ailleurs, pendant que j'y suis, petit aparté, merci, un grand merci à Zirnitra, un grand passionné de l'univers Warhammer, notamment du lore des tyrannides, avec qui j'ai révisé en amont et refait un point culture sur le lore et sur le millénaire 41 dans lequel nous sommes, pour pouvoir vous parler du contexte environnant de ce deuxième opus. Donc le tuto est expliqué sous forme de screen descriptif avec images à l'appui. Bien sûr, nous récupérerons tout l'attirail du commandant Titus, ainsi que ses facultés de combat. Entre garde, contre-garde, riposte, brise-garde, il y aura de quoi faire. Ah là là, quand j'y pense, c'était quand même inespéré. Hein. Depuis 2011, hein. Septembre si je dis pas de bêtises. Depuis septembre 2011, date où est apparu Space Marine premier du nom, le premier volet. C'est incroyable de pouvoir enfin toucher au deuxième. Et surtout quand son annonce a été faite, hein, on n'en revenait pas. Gore as fuck, hein, bourrin au possible. On en avait vraiment pour notre argent à l'époque. Enfin bon. Adeptus Astrates, ça j'ai envie de vous dire. Quoique, dans les différents chapitres des Space Marines, des chapitres sont plus virulents que d'autres, disons. Les White Scar, les Space Wolves, les Black Templar. Bon après, les Ultramarines, tout comme les Blood Angels, sont connus comme les super-héros des Space Marines. C'est vraiment deux chapitres beaucoup plus mis en avant, si je puis dire, que d'autres qui ont leur part importante quand même dans l'histoire, mais qui n'est nulle autre part traitée que dans les codex et les index si vous allez dans les Games Workshop ou sur les sites internet et si l'envie vous prend de faire de la figurine. A savoir qu'en parlant de la beauté du jeu, il vous permettra d'avoir deux modes, le qualité ou le performance. Vous le savez, vous diminuez votre framerate, mais c'est beaucoup plus smooth. Soit vous avez une meilleure qualité, mais peut-être que le frame laissera à désirer sur des décors lointains et autres scènes en second plan. Donc ok, l'esquive avec croix. Ok d'accord, mais il attaque plusieurs fois d'affilée. Ok, donc il va falloir que je fasse L1 à chaque fois que... Okay. D'accord, ça c'est l'exec. Donc, il faudra que je fasse, ouais. À chaque fois, ce sera pas plus mal. Je suis subjugué par la beauté du jeu, c'est vraiment incroyable. Comme je l'ai vu là dans le... Et vous l'avez vu aussi. Dans l'intro, là, dans la cinématique, j'ai cru voir d'ailleurs un Space Wolf en sa compagnie. Mais je sais que nous sommes donc divers Space Marines de divers chapitres pour occuper la Death Watch. Faisons donc un petit point lore. Dites-vous que quand vous êtes déchu de votre rang, que l'on vous accuse d'hérésie, ce qui est la plus haute distinction, la plus haute accusation en termes de trahison dans l'Adeptas Astrates, ce qui regroupe donc les Space Marines notamment, eh bien vous allez devoir faire preuve de pénitence. Et de ce que j'ai vu des screens, Titus possède désormais deux nouveaux clous de service implantés dans sa tête. Il en avait deux au tout début sur lui, maintenant il en a quatre. Sachez qu'un clou de service est implanté dans le soldat pour en moyenne entre 50 et voire pour certains autres clous, mais... Ils se diffèrent par leur couleur, je pense que là, vu que ce sont des clous argentés, ça reste sur 50 années de service. Le jeu se passe soit au minimum 100 ans après le 1, soit 200 ans au maximum. Mais il ne me semble pas avoir vu de clous de service de couleur dorée, qui eux normalement montrent qu'il y a eu 100 années de service au sein du chapitre. Le chapitre, il y en a donc plusieurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, dites-vous que l'Empereur est un super soldat. Je vais vulgariser au maximum et je vous prie, les puristes, de m'excuser pour cette description beaucoup trop familière. Dites-vous que voilà, l'Empereur a élu des primarques, 20 au total, et ces primarques sont les descendants génétiques de cet Empereur, mais par transition de son génome. Ce ne sont pas ses enfants, il a juste implanté l'ADN, son surpuissant ADN, dans des super soldats qui ont ensuite évoluer en différents chapitres.
Notamment, là, actuellement, on suit le chapitre des Ultramarines avec Titus dans le millénaire 41. Donc on est bien après diverses péripéties qui ont marqué un retournement catastrophique et ultra marquant dans l'histoire des Space Marines, notamment l'hérésie d'Horus, qui a été l'un des chapitres les plus anarchiques de la saga des Space Marines. Horus étant l'un des 20 primarques qui a décidé de se soulever face au règne de l'Empereur. Et par sa rébellion, eh bien, il a réussi à convaincre d'autres primarques de le suivre dans sa folie, en fait, dans son hérésie. Lors de ce soulèvement, plusieurs chapitres étaient présents, notamment les Blood Angels, les Ultramarines, bien entendu, et surtout les Imperial Fists. Parmi eux, il y avait donc le primarque qui représentait les Ultramarines, et Fulgrim, l'un des primarques qui a rejoint le chaos en se ralliant à la cause de Horus, a blessé mortellement le primarque des Ultramarines. Suite à cela, il fut placé très très vite en stase, et sortira après de sa stase vers la fin du millénaire 41, et nous y sommes en plein dedans. Par contre, la technique de la brise-garde avec la bastos dans la tête, mais quelle violence! Qu'est-ce que j'aime l'univers Warhammer, c'est vraiment abusé. Bon, par contre, pour ce qui est des combats à distance, l'aide à la visée ne s'active pas tout le temps, donc c'est un peu brouillon. Ah bah putain, il aurait fallu que je tire là-dessus pour justement que ça explose et que ça fasse péter les tyrannides qui me visaient au loin. Après, je pense que grosso modo niveau gameplay, on va quand même avoir 80% de corps à corps et 20% de distance. Hein. C'est pas. On joue pas un ultramarine pour. Tirer au bolter auto de loin, enfin, c'est pas un scout au fusil de Recon que l'on est en train d'incarner, quoi. C'est le commandant Titus, quoi. C'est pas personne. J'adore ce combo. La brise garde Bastos, elle est fantastique. L'animation, elle est. Je vais arrêter de dire que ce jeu est beau parce que bon. Je crois que je me répète un peu trop. Aussi du crash. Oh, c'est un Black Templar. Mon chapitre préféré. Black Templar d'ailleurs qui est un sous-chapitre des Imperial Fists suite à l'hérésie d'Horus justement. Quand certains primarques et donc certains chapitres des Space Marines ont rejoint le chaos et ont utilisé l'énergie du Warp, qui est, voyez ça comme une sorte de magie démoniaque, pour que certains de ces primarques deviennent des rois démons, eh bien, il y a eu un sous-chapitre aux Imperial Fists qui a donné naissance aux Black Templar, avec pour règle de ne plus jamais utiliser ce qui se rapproche à de la magie, tout comme les Psykers qui font partie de l'Adeptus Astrates. J'ai comme l'impression que j'ai dû taper dans les couilles du champignon. Oh non, le confrère qui a pas su faire face aux guerriers tyrannides. Bref, si chez les Black Templars vous utilisez ce qui ressemble de près ou de loin à des pouvoirs magiques, que vous soyez un autre Space Marine ou dans une faction alliée, on va vous buter. Tout ça était bien entendu dans le but de pallier à ce que aucun autre type d'hérésie comme celle d'Horus puisse subvenir dans les millénaires qui y allaient suivre. Voyez-les comme les bons gros fanatiques, quoi. Vraiment, c'est les NAZD des Space Marines, quoi. C'est vraiment. C'est la supériorité sans la magie, tu utilises, t'es une sourasse, quoi. Par contre, la violence est vraiment au rendez-vous. Vous ai-je dit qu'il était Peggy 18? Ouais, mais là je pars pas, voilà. Parfait. Et là je peux exec, très bien.
Ouais, donc en fait, c'est, je pense que plus on va parer, plus on va fatiguer en fait le tyrannide, plus on va et on sera enfin amené à pouvoir l'exec. A savoir que les tyrannides qui nous attaquent sont les tyrannides basiques, mais ceux que je peux contrer, c'est ce que l'on appelle communément en fait dans le lore de Warhammer des guerriers tyrannides. Voilà, ils sont équipés justement d'armes blanches, sont potentiellement bien meilleurs au corps à corps que leurs semblables. Et c'est généralement eux qui ont le plus gros ratio de KDA dans les nombreuses guerres qu'ils ont pu mener. A savoir que nous sommes donc sur la planète Kadaku, ce qui fait que les tyrannides qui nous attaquent actuellement viennent de la flotte ruche Léviathan. Ce qui est un des plus gros événements marquants de la fin du 41e millénaire. Cela jouxte justement avec la déstase du primarque des ultramarines, qui n'est d'autre que le grand Roboute Gulliman, que l'on n'avait pas revu depuis sa blessure mortelle lors de son combat face à Fulgrim. Par contre, la mise en scène est incroyable. C'est abusé. Sous forme d'explosion, puis après des grosses vagues, c'est fantastique. Le jeu, bien sûr, met ce point-là clairement en avant, parce que même si vous n'êtes qu'avec moi pour le mode solo, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain, c'était des rats qui bouffaient un collègue. Oh, c'est un Blood Angels. Et un fusil bolter en prime. Donc comme je vous ai dit, on fait tous partie de la Death Watch, et que ce soit le Space Wolf que vous avez vu dans l'introduction, le Black Templar qui est mort à côté du site du crash, quand on a récupéré la bombe, que l'on récupère justement pour faire office d'insecticide contre les tyrannides, et ce Blood Angels également, ben, peu importe le chapitre dont on fait partie, en fonction des actes jugés comme des actes de trahison, d'hérésie, de rébellion, selon le code de l'Adeptus Astrates, peu importe le chapitre dans lequel on fait partie, l'une de nos sentences peut être le fait de faire partie d'une sorte de Suicide Squad, qui est donc la Death Watch. C'est l'un des rares cas où est-ce que les chapitres peuvent se mélanger et former une unité à eux réunis. Bref, comme je disais, sachez qu'un mode multijoueur est disponible, un mode PVE avec des vagues de tyrannides à plusieurs joueurs, et un mode PVP avec donc deux équipes qui peuvent s'affronter. Et vous avez un mode bien entendu de customisation pour créer le Space Marine de votre choix et le faire appartenir à tel ou tel chapitre, bien entendu. Et ça, les fans en seront ravis. Vivement que je me fasse un Black Templar qui se rapproche ou de l'apothicaire ou d'un chapelain. Je suis un fan inconditionnel du chapitre des Black Templars. J'ai connu ça, j'avais 14 ans, j'en ai aujourd'hui 32 et je ne vis que pour les Black Templars. Ce qui va en fait un petit peu être contradictoire si vous m'avez bien suivi. Vous savez que les Black Templars refusent toute idée à l'approche de la magie, du warp, etc. comme je vous l'ai dit. Et pourtant, le deuxième chapitre que je joue le plus parmi les Space Marines, ben, c'est les Chevaliers Gris. Pour ceux qui ne savent pas, les Chevaliers Gris n'utilisent à 99% que de la magie pour se défendre. Par contre, c'est fou comment c'est téléphoné. Et c'est pour ça qu'on adore. Enfin, téléphoné, je m'explique. Vous voyez quand même le cadre dans lequel on progresse. T'arrives dans une map overground à n'en plus finir. Tu sais forcément qu'il va y avoir de la pampe. Tu vas forcément devoir arracher des bouches dans les 2-3 minutes qui vont suivre. C'est ça en fait qu'on aime bien dans ces jeux un petit peu action-aventure un peu bourrin, qui nous rappellent les bons vieux jeux d'antan. Vous savez, même dans le style un peu RPG avec du loot, vous arrivez dans une zone, il y a des caisses de munitions, il y a des vivres, il y a de la vie, tout ce que vous voulez, et il y a une porte juste après. Tu sais forcément que si tu ouvres cette porte derrière, ça va puer la merde, mais d'une force. Et c'est ça qu'on adore. Parce qu'on est dans ce genre de jeu où est-ce que tu es inférieur numériquement, t'es acculé par l'armée qui t'arrive sur le coin de la bouche, et nous on dit qu'une chose, tant mieux, ça fera plus de barba que pour nous, quoi. C'est ça qui est... On en redemande.
Et rien de mieux qu'un jeu de la licence de Warhammer et d'incarner un Space Marine pour ça, quoi. Je m'auto-corrige moi-même. J'allais dire une de ces conneries. J'allais dire, à chaque fois qu'on rentre dans un lieu, quand on est sous le toit de quelque chose, ça me fait penser à Warhammer Darktide. Et oui, bien entendu. Adeptus Astrates, niveau architecture, tout se ressemble, forcément. Que ce soit même Space Hulk Deathwing, c'est, voilà, technologie Space Hulk. Ça a le même chara-design, forcément. Allez, on va pouvoir mettre l'insecticide dans le silo. Insertion de la charge. Il est temps de gazer tout ça. Ah, l'animation est folle. Ah, même les pieds touchent bien le sol, c'est ultra bien scripté. De l'autorisation en cours. Règle la trajectoire pour une détonation stratosphérique. Le rite de préservation doit être accompli. Cherchez un autre magot. Les détails, c'est incroyable. Mais à se demander si, vu que là on est en train d'incarner Titus, vu la dégaine et la couleur de l'armure, on dirait presque de la Raven Guard. Il est noir de la tête aux pieds. Je repère aucun signe Oméga montrant qu'il était auparavant dans le chez les ultras. Oh, des grenades. Est-ce que les caisses de munitions vont me remettre une grenade? Non, on va voir ça. Bon, ça va, ça se jette assez loin. Ah mais non, mais je suis complètement... Non, j'ai maintenu carré, mais j'ai pas réussi à en récupérer, j'ai eu le rond barré, donc ça ne... S'il n'y a pas écrit grenade, je pense pas que je pourrais en récupérer de moi-même. Ah, le bolter d'assaut, hein. C'est fantastique. J'ai l'impression de rejouer à Space Hulk Deathwing. Bon là, sauf que là, je suis en TPS. Si vous avez connu ce jeu en style Left 4 Dead-like, GG à vous. C'était un très bon jeu, je trouve. Trop sous-coté à mon goût. Mais non, mais je suis un abruti. Normal qu'il ait aucun logo qui lui rappelle un quelconque chapitre. Il y a des têtes de mort partout, etc. C'est... Non, parce que comme il fait preuve, comme il fait office de pénitence dans la Death Watch, il a le titre de... Allez, comment ça s'appelle? De bouclier noir. C'est un titre d'ailleurs très très honteux que les Space Marines ne révèlent jamais et qui est effacé des archives lorsque la pénitence est faite. C'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de gens qui dans l'univers des Warhammer en termes de figurines appellent les figurines, quand on les a et qu'on les assemble, elles sont grises. On appelle ça le gris de la honte. Bah, chez les Space Marines, vous voyez cette espèce de noir, de bouclier noir, comme le noir de la honte, en fait. Ça a vraiment un code couleur très spécifique qui montre, en fait, que vous êtes neutre parce qu'on est en attente de votre verdict, si vous êtes apte ou pas à reprendre du service dans votre chapitre actuel, soit à devenir un hérétique pour le restant de votre vie, et là, autant se donner la mort, si ce n'est pas l'Adeptus Astrates qui le fera pour vous. Oh bordel, cette vague! Ah, c'est World War Z, hein, le machin. Enfin, World War T, plutôt. Ou X, tout dépend. Si on appelle ça les Xenos ou les Tyrannides, dans les deux cas, vous avez raison. Des barils explosent un petit peu partout, on voit où ça mène. Hein. Affronter des Tyrannides, ça change un peu des orques. Hein. Bon, parce que... Dans le 1, ça se passait sur la planète Graia, l'un des mondes de forge, et Grimskull, l'un des Big Boss, dont je vous ai parlé des Primarchs pour les Space Marines. Big Boss, c'est le nom d'un titre de chef que l'on donne chez les orques.
Et là, par contre, on est sur Kadaku, quoi. Et ça a été vraiment l'une des planètes connues pour l'invasion du Léviathan, de cette flotte ruche dirigée par les tyrannides. Merde, j'ai pas esquivé à temps. Faut que je pars. Mais j'ai énormément de mal. J'avais joué à la version presse il y a plus de 6 mois. Autant vous dire que je n'ai plus le gameplay dans les doigts. Heureusement par contre que le contre fait une espèce d'AOE général pour repousser tous les tyrannides autour de lui. Il faut que... voilà, prends ton contre quand même. Même si visuellement ça reste impressionnant, le jeu, comme il propose 4 modes de difficulté, peu importe le nombre d'adversaires que vous avez, vous pouvez très bien tous les décimer en choisissant le mode facile. Là je suis en normal, vous voyez à peu près comment ça se passe. Ah mais j'ai l'objectif à côté. Ok, ça c'est une cinématique. Ah, quelle classe il a ce Titus, mais quelle classe! C'est pas un commando ultramarine pour rien. Là, par contre, j'ai l'impression que je suis dans une zone un peu close. Ça pue un peu la fin de la mission en vrai. C'est à se demander là si ça va pas arriver en vague non-stop. Ouais, c'est à se demander s'il faut pas que je perde. Ouais non, ça continue à arriver au compte-goutte. Hein. À voir comment on va se défendre, s'il n'y a pas une espèce d'événement checkpoint qui va arriver. J'ai rien qui s'affiche dans mon menu. Ah, des renforts derrière. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, attends, c'est un Tyrannophex ça. Mais je suis complètement mort. Je suis foutu. Un Tyrannophex face à un Space Marine. Tu peux pas? Tu peux pas enlever un Tyrannophex, c'est pas possible. Il envoie ses dards, j'étais en train, et je vous jure, premier degré dans ma tête, j'étais en train de me demander s'il allait m'envoyer ses dards, s'il y avait une animation pareille.
Putain, vu comment c'était fait, vu comment il m'a gros, je me suis dit, vas-y, c'est que du corps à corps. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai plus de barre de vie en haut à gauche. Hein. Je pense qu'il faut que je le perde, ce duel. Cassez-vous, vous. Je vous raconte pas l'hépatite que vous vous chopez s'il y en a une qui se plante dans votre corps. Sans déconner, ils m'ont mis un Tyrannofex à affronter quoi pour finir le tuto. Quelle bande de salauds. Je peux pas aller l'exec là? Parce que là normalement cette animation de tirer dans une bastos là, c'est pour te mettre en stun et que je puisse venir te trancher la gueule. Là. Double croix pour faire une esquive avec un petit saut cabriole là. Je vais crever. J'ai l'écran qui est de plus en plus rouge, vous le voyez, l'extrémité, les quatre coins de l'écran là. Dans un rouge Call of Duty. Et j'ai pas l'impression que de respirer me fait récupérer ma vie. C'est tout pour moi les gens. Ah, c'est le moment où il se fait empaler. Ouais, c'est la cinématique de fin. Bon, écoutez, je clôture rapidement, je ferme vite ma gueule pour que vous profitiez de la séquence de fin. J'espère que ce test vous aura bien plu. Je vous retrouve donc très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et je vous dis à ciao.